broads in Atlanta. Just did the lean the family. Credit cards and the scams. Getting the licks in the family. Hey, c'est Thomas, c'est Wilter, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Black Ops 2. Je vais vous montrer comment prendre du plaisir sur Black Ops 2 en 2019 sans mode menu, tout ça, parce que c'est généralement avec ça qu'on s'amuse. Mais bon, avant, quand il n'y avait pas de mode menu, il fallait s'amuser sur Black Ops 2. Quand il n'y en avait pas, quand il n'y avait pas tous ces modding, tous ces hacks, tout ce que vous voulez, il fallait trouver un moyen de s'amuser. Bon, s'amuser, moi à l'époque, je m'amusais déjà, mais voilà, on a un jeu d'armes, comme j'avais pu le remarquer. Et d'ailleurs, je suis en train d'enchaîner tout le monde comme jamais. Et voilà, et en fait c'est vraiment dans ce mode de jeu, je crois, où moi personnellement je prends le plus de plaisir sur Black Ops 2. J'ai déjà fait pas mal de vidéos en jeu d'armes et tout que vous avez probablement dû voir, que vous allez voir bien évidemment, parce que vous avez des très bons abonnés qui regardent toutes les vidéos. Et vraiment dans ce mode de jeu, je ne sais pas pourquoi, je prends du plaisir mais à mort, parce qu'on joue un peu avec toutes les armes et tout. Il n'y a pas de, ouais lui je joue Scar, oui lui non, on a tous les mêmes armes, on joue tous avec les mêmes armes, même si on n'est pas tous exactement en même temps avec les mêmes armes. On joue tous plus ou moins avec les mêmes armes et en plus ça varie les armes tout ça. Et je prends énormément de plaisir et généralement quand je suis sur Black Ops 2 hors vidéo, parce que comme vous le savez sûrement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, maintenant Black Ops 2 j'y joue presque plus à part pour les vidéos et les lives. Ben quand j'y vais hors vidéo, hors live, et encore les lives vu que j'ai arrêté il y a un bon moment, voilà. Quand j'y vais hors vidéo, hors live, c'est surtout dans ce mode là que je vais. Et franchement je m'amuse mais comme jamais. D'ailleurs c'est ma première partie depuis presque une semaine. Et là, je suis déjà en train de les démolir. D'ailleurs, oui, j'ai même pas dit, c'est en compagnie de quelques petits abonnés, voilà. Énorme dédicace à vous, voilà, vu que j'arrivais pas à trouver grand monde en jeu d'armes. Je me suis dit, tiens, on va inviter quelques abonnés, on va lancer, comme ça, on sera à peu près plus ou moins comblé. Et là, on est comblé, donc ça fait plaisir, parce que, voilà, sinon, vu qu'il y a plus énormément de jeux d'armes aussi, ce que je trouve dommage, de toute façon, il y a de moins en moins de monde sur Black Ops 2. Ça fait extrêmement mal au cœur de le dire. Quand je regardais certaines de mes anciennes vidéos et que j'étais dans le menu ou même certaines rediffusions de mes anciens lives, je voyais qu'on était encore 50 000 par exemple en 2017 sur BO2. Et moi je me rendais pas compte. Et là maintenant on est plus que 5 000. Et ça fait froid dans le dos. Ça fait tellement mal au cœur qu'on soit si peu sur un jeu tel quel. Je me suis toujours demandé s'il y en a vraiment qui aimait jouer avec ce lance roquette. Mais genre vraiment qu'il avait mis un secondaire qui était là et tout ça. Genre ouais c'est mon arme préférée, je sais pas quoi. Vraiment. Ah oh, oh il a pris une roquette perdue le pauvre. Oh non il a pris une roquette perdue. Non scope. Oh, wow, je suis monstrueux. Et si je le mets maintenant. Ah, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Non, mais dites pas que si je perds la partie, je pleure. Non, je peux pas perdre. Je peux vraiment pas perdre. Quand je disais que je pouvais pas perdre, putain. Oh, il m'a rattrapé le pro tout gamer. Oh, j'ai flippé. Oh non, mais j'étais là en mode ouais, non, je vais perdre alors que j'avais pris une avance de folie. Voilà, c'est dans ce genre de mode où vraiment je m'éclate. Quoi? J'ai réussi à obtenir un trophée sur Black Ops 2. What? J'ai vraiment réussi à obtenir un trophée sur Black Ops 2 en 2019. C'est là, ça fait énormément de temps que je n'étais pas connecté sur mon compte Abonne-toi à Wilter. Bah, depuis, il me semble, mon dernier stream. Bah, comme vous pouvez voir, ça fait 41 jours que je n'avais pas trouvé de joueur. En même temps, mon tout dernier live, c'était le 2 janvier 2019. Quoi? Attends, je vais juste voir si... Les décalages de connexion. Bon, toi t'étais AFK. Ah, il avait qu'à dans la partie. Hein. À tous ceux qui vont dire, oh, tu laisses AFK et tout. Si jamais il est dans la partie de base, c'est pour jouer, donc je m'en fous. Non, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est quoi votre mode de jeu préféré de Black Ops 2. Moi, pour ma part, c'est vraiment celui-ci. C'est celui-ci sur lequel je prends putain de merde. Laisse-moi finir ma phrase, sur lequel je prends le plus de plaisir et sur lequel j'arrive le plus à m'amuser. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir. Mais putain de merde! Putain, j'arrive à être dans les derniers alors que la game précédente j'étais dans les premiers. Là, je m'en fous, faut que je remonte. Allez, toi, hop là. Ensuite, toi. Quoi? Allez, mais bien sûr. Mais bien évidemment. Eh ouais, eh ouais. Je t'ai volé ton kill et en plus, je te tue. Je n'ai aucune peine. Bon, j'aurais perdu la deuxième. Bon, j'aurais fini troisième. J'ai gagné en fait. Regardez, il y a écrit victoire. J'ai quand même gagné même si je ne suis pas premier. En tout cas, c'était une petite vidéo tranquille, une petite vidéo chill, comme j'aime bien dire, sur Black Ops 2. Histoire de, voilà, de se remémorer ce mode de jeu qui est juste fabuleux.
Et puis voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bordel de merde. Ça me ferait extrêmement plaisir. Désolé, je ne sais pas pourquoi je suis énervé. Voilà, on est bientôt chimier. Donc voilà, merci à vous tous d'être présents et merci. On monte extrêmement vite et ça fait extrêmement plaisir. Alors que j'ai raté les lives avant, je gagnais des abonnés surtout grâce aux lives. Mais maintenant, plus voilà. Bref, moi je vais vous laisser. C'était Walter. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, bye. Et merci aux abonnés qui étaient présents.